Moi, je suis bien ici. Salut, Mantera. Mantera qui est un petit peu dans le guac. Toi aussi. Dans le space. Mais c'est normal. Intervenu. Rien. On n'est plus dans le space. J'ai l'impression qu'ils font la Java dans mon... Parce qu'il y a rien, il y a le temps. T'as fait la Java, je te le dis. Sais pas Ça qu'est-ce qu'ils bouge. font derrière, mais... Moi, mes pneus, ils sont pas mal, hein. Parfait pour faire des drifts, hein. Regarde dans le virage, là. Bon. Bien sûr, je vais me louper. Ah non. Ah bah si. Je me suis pris un platane. J'ai voulu déraper sur une ligne droite un peu Ah plus. oui, j'ai configuré la dernière fois ce véhicule-là comme le favori. Oups. Faut drift au sol dans cette zone. Yeah. Bon, je verrai après l'enregistrement si, si ta voix elle aura pas augmenté. Sinon, je Oui. te remonterai un peu. Bon, je pense pas qu'elle doit avoir beaucoup augmenté que ça. Ah ouais, genre on a une baraque ici. T'es sûr? Ben oui. Ah bah pas moi. Moi, il me dit pas que j'ai une maison ici, hein. Moi, je l'icône ici depuis le début du jeu. Ici? Ouais. Regarde. Non, moi la maison n'est pas ici, hein. Par contre, pour moi. Pour moi la Moi c'est pas maison, là elle pour. est. Pour moi la maison, elle est à l'autre bout. Hein. Elle n'est pas ici, elle est là-bas. Oui, moi j'en ai deux déjà. Mais t'as joué entre-temps, c'est pas possible. Non, j'ai pas joué à ce jeu-là depuis je sais pas combien de temps. J'ai pas de maison. Attends, je ressors. Bon, du coup, Ça fait mieux, mais ça fait beaucoup plus impression, ça. on va faire le live extrême épisode 2, ça serait pas mal parce qu'on a Allez, été, 50 viewers, on va dire, plutôt assez absent. D'ailleurs, on va rajouter un peu de musique après avoir lancé Voyager vers. Après avoir lancé ça, parce qu'ils vont nous faire un petit speech sûrement. Monster Energy, wouhou! Ouah, cette épreuve est de type solo. Bah, faut que tu viens aussi, quand même. Le live Alors. extrême, le faire. Bonjour à tous et bienvenue sur la magnifique Gulf Coast où va avoir lieu la Parce que deuxième c'est une étape du circuit épreuve live solo. extrême. Faudrait que La tu la fasses dernière aussi. s'était déroulée en plein cœur des villes. Oui, Alors oui. voyons quelles surprises de taille nous attendent cette fois-ci. Laquelle épreuve que tu vas faire? Live extrême. Ah, faudrait bien qu'on la fasse à un moment. Voyager vers cette destination. Et pef! Oh merde! Ils sont déjà partis! J'arrivais pas à accéder à la musique. Parce que moi je t'attends. Non, non, mais c'est une épreuve solo! Oui, mais c'est pour qu'on soit synchro et qu'on finisse en même temps. Ah, mais je suis. Oui, je suis parti là. Moi j'étais déjà dedans, hein. L'épreuve est déjà lancée, moi. Le sac, la synchro de merde. Oh, Bah, je te l'ai dit. C'est pas grave, Néo. Je te l'ai dit en plus. Comment tu veux que je sache si c'est en oula, en solo si je l'ai pas lancé? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de coup 2?
un mois ou deux. J'aime bien, hein. Soit c'est moi qui lui dis, ouais bah on en fait, mais à chaque fois, bah, soit on peut pas en faire, soit je me trouve du travail, du coup on peut faire ça seulement le week-end parce que bah, le soir je suis un peu fatigué, on va dire, quand même. Wouah! Mon terrain attaque et mes cas, tout compris au système de l'ordre. Il freine pas du tout. Tenez-vous prêt pour un véritable combat de gladiateurs. Ouais, pour l'instant, ils sont plutôt en train de gagner, hein. Ils sont devant, ouais. Et ils sont tranquilles, hein. Ouais. Est-ce que pas de les emmerder? Moi, je suis derrière. J'aurais bien. Non, mais moi, je suis derrière eux aussi, hein. Attention, je viens de dédoubler. Je les rattrape. Je mets le temps, mais je les rattrape. Comment je peux avoir du skill si je joue pas beaucoup à ce jeu? C'est sûr. Hein. On a ce jeu-là à finir, on a Far Cry à finir aussi. Là, le dernier membre de la famille à les buter. Become Human que j'ai commencé mais que je peux pas continuer parce que petit souci de PC sur le PC sur lequel j'ai enregistré le jeu. Du coup, bah je peux pas faire la suite. Le grand moment est arrivé. Il est maintenant temps de passer au niveau. Ah, le 5. Quatrième. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la place, du coup, le temps de régler le souci. Je vais mettre à la place sûrement soit Rise of the Tomb Raider ou un autre jeu. Ah, j'ai joué comme un sac. Ce que je voudrais faire aussi, hein, et que m'intéresser, c'est que j'aimerais bien finir Assassin's Creed Origins avant que Odyssey arrive. Sauf que, étant donné ce qui vient de m'arriver, ça va être un petit peu compliqué. J'ai un petit peu perdu 65 heures de jeu. Ça fait mal. Je suis très 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 content. Autant vous le dire. Donc je sais pas si je vais le finir. Et donc soit... Oula, c'est par là. On saute le tremplin et on plonge dans une eau paradisiaque. Chez Live Extreme, on vous propose des... Oula, la dernière fois, je jouais mieux que ça. Ouais, j'arrive même pas à les rattraper, là, c'est quoi ce bordel? De prouver qu'ils font partie des meilleurs. J'arrive pas à les doubler. Le jeu est vexé. En fait, moi, je vais le Alt F4, le jeu. C'est un jeu online, je peux pas perdre ma partie. Des raccourcis d'enfoiré, je passe sur la terre. Il va bientôt falloir que les derniers pilotes se jettent à l'eau. Je crois qu'il parlait de toi là. Deuxième, je dirais que c'est quand même pas mal. Attention, je viens de le doubler. Voilà. Oh, je viens de le doubler aussi. Allez, on n'a pas peur de salir les mains. Et juste au moment où on arrive sur la plage, à la transformation moto, paf, je le double. Je coupe tout le temps, moi. J'ai rien à battre. Rien à foutre de la route, hein. Et puis moi, j'appuie à fond sur les boutons de la manette, comme si j'avais besoin d'appuyer à fond. Après aussi, je te le précise, tu te rappelles que si tu baisses la... Le bouton directionnel vers le bas en bateau, tu vas plus vite. T'inquiète, j'avais compris. Je te le rappelle quand même parce que moi, tu sais, hein, au début, j'étais en mode, mais pourquoi ça va pas si vite? Et après, ah, faut faire ça. Là, ça va plus vite. J'aurais changé un petit peu pour la musique, j'aurais mis une autre playlist que d'habitude.
c'est une aussi qui est free, free complet et tout machin. Et allez, hop. Merci beaucoup d'avoir suivi la deuxième course de notre série. J'ai fini. Live Extreme premier. En direct de la Nouvelle-Orléans. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis. Et paf, je me prends une épave de bateau. C'est sublime. Ok, toi, tu vas pas être premier. Ça, c'est clair. Je suis juste quatrième. Il y a une mouche qui me gonfle. Et je viens de doubler et je me prends un arbre. C'est sublime, moi, je dis. Oui, parfait. Donc, des pièces perf, hélice, gouvernail. Je suis le seul qui est en moto. Mais tout le monde est en buggy ou en... Oui, mais moi, en moto, j'ai réussi à les battre. Normalement, si tu coupes bien, tu peux les battre. Oh, puis la manette de la et de la Xbox One est tellement sensible, le temps que j'arrive à m'habituer. Ah oui, il faut savoir si oui, Mantera a changé de manette. Il a changé de manette, ce que je devrais faire aussi parce que la mienne commence à être un peu en morceaux, mais au moins j'arrive à être premier. Moi, je suis premier. Coup de chance. Ouais, je vous dis à la prochaine. Il a dit. Désolé si on n'a pas l'air entre les vidéos. Non, entre le mec qui parle. Alors, du jaune et du rouge. Ou du rose. On va améliorer tout ça. C'est que le bouton déjà. Parce que je suis à la ramasse. Faut regarder surtout c'est pourquoi les upgrades que t'as eu. Je pense. Attends, c'était comment? Ah voilà. Il est par où? On va aller le voir. Ah, oh, j'ai peut-être atterri un petit peu trop fort. Allez, on atterrit en bateau, comme ça on est sûr de s'arrêter. On prend la voiture. Ah, c'est pour cette voiture-là, et cette voiture-là, c'est une... Ah, SR. Ah oui, il y avait marqué SR. Oh là là, le ça. L'impression que c'est la même moto, ça, non? Merde. Qu'est-ce que j'ai trafiqué, là? Je veux juste le klaxon. Je peux améliorer ça. Cette voiture que je me sers souvent. Épique. Mais. Ah oui, attends. C'est rose ça. Rose rouge, il m'a l'impression que c'est épique. Ouais. Pas, j'ai l'impression que c'est épique. Un terrain qui est pas trop sûr de lui. Oui, j'aime bien cette voiture. J'adore cette voiture. C'est une Mazda. La X7. Voilà, avec laquelle moto que j'ai gagné. Elle est où ta moto? Tu te trouves où? Tu es caché où? Juste à côté de toi, normalement. Je vois ta voiture. Oui, tu es à côté. C'est juste que je t'avais pas vu, voiture. En fait. Je te regardais, je me dis, il est passé où? Regarde.
Le joueur Nerogame a quitté le groupe. Bon. Le joueur Mantera a quitté le coup. Ah d'accord, le mec il a voulu, il veut plus. Voilà, fin de la vidéo, hein, c'est bon. Ça m'a fait pareil pour toi, c'est la classe. Tu reviens là, hein, non mais oh. J'ai pas bougé pourtant. Je t'ai juste réinvité. Pas de soucis, j'arrive. Vous avez rejoint le crew. Merci de l'avoir quitté, Talon. Bon, du coup. Non, pas cette touche-là. Celle-là. Quelle voiture? On met à la place. La Ferrari? On va changer, on va mettre... C'est quoi elle? En attendant de, on va mettre elle. De faire des vidéos, moi je me suis amusé à fumistiser tous mes véhicules. Regarde. J'ai rien d'autre. Attends, j'ai la même. Néon. Il commence à y avoir trop de voitures là-dedans. J'ai rien d'autre à foutre que ça. Attends, est-ce qu'on peut leur rouler dessus? Ils sont... Désolé. Petit choc, regarde. viewers. J'aime bien comment il t'esquive. Oups, ça a dû faire mal. Oh, ça t'a juste toi à moucher le plus, hein. Les dégâts qui sont vite réparés, ça va vite faire. Ensuite, on fait quoi, Néron? Aucune idée. On va lancer une mission. Aucune idée là, tu sais, j'étais en mode, ah, je suis bien là, faire n'importe quoi. Tiens, un rallye raid dans le bayou, comme ils appellent ça. On va dans le bayou. Voilà. Je sais pas pourquoi les gens filent. Bayou, c'est juste un synonyme de marais. Voilà. Si tu passes sur l'eau, c'est tout droit jusqu'à l'arrivée. Et si tu passes par la route, c'est plus rapide. À toi de choisir plus efficace pour faire le meilleur temps. En motocross. Oui. En motocross, à toi, je peux changer de véhicule. Mais waouh, les mecs, ils te laissent pas changer de véhicule. C'est pas grave. Tu cette moto, elle est rapide. Mais tu pouvais. Et parce que moi, je pouvais. Oui. J'ai pu. Mais en fait, le jeu m'a dit non. J'étais dans le véhicule, mais il m'a dit non. Ouais, faut juste être devant elle. Ça va. Super temps, j'en suis sûr. Allez hop. Il faut pas. T'as moi, je prends direct les raccourcis, moi. Ah, jouer à The Crew 1 avec cette manette. Ça va être un challenge, je te le dis. J'aime bien le mec qui a dit pourquoi les gens flippent quand on parle de bayou. C'est juste un synonyme de marais en fait. Parce que mais tu sais le bayou en fait c'est sa référence à Resident Evil, toi, 7, le bayou. Ah bah c'est sûr que quand tu dis à la manette à bas du tourner, ah bah à braque, hein. C'est pas l'autre manette. Hein. Ah mais moi aussi à braque, hein. Ça tourne aussi. Hein. Moi un tout petit peu trop sensible.
C'est parce que je suis pas habitué avec. Il y a pas longtemps que je l'ai en plus. Allez, imagine que tu joues en conduit sport avec une main comme ça. Ah bah t'as pas intérêt de foutre des petits coups hein. Mais le Montera a failli faire son kéké. Et je me suis retrouvé scratché dans la flotte. Ouais. J'ai essayé de le faire mais je me suis dit non. Et failli était total. Non, je fais ça mais à l'arrivée. C'est encore plus drama si je tombe à l'arrivée. Tomber à l'arrivée et que quelqu'un me double. Ça va être la misère pendant les quelques épisodes. Mais ça va le faire. C'est juste qu'il faudrait qu'on soit un régulier, hein. Comme ça déjà on aurait peut-être un peu plus de skill. Après tous ces soucis, je pense que ça va être bon. On va revenir dans Far Cry, on va buter des joints à la pagaie, voilà. Et on va se faire buter. Vous allez avoir du contenu. Oh ! Presque réussi ! J'arrive pas à le tenir. J'arrive pas à la tenir là. La roue avant, en fait, si je la fais trop. Dans ce coin 1, j'avais... J'ai du skill parce que j'ai joué je sais pas combien d'heures. Mais là, ce jeu, mais pour nous, il est nouveau, quoi. Moi, ça va, hein. Je suis premier. Hein. Moi aussi. J'ai des boîtes vertes. Verte, 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 verte. C'est perf, frein et pneus perf aussi. On va aller faire un petit peu d'augmentation de bagnole. Ouais. On va avec mettre elle. Ça. Non, je vais mettre. Je vais aller. Moi, je vais à la maison. Genre. Tranquille. Destination. Ah ouais. Mais par contre, je vais à la maison ou celle que j'ai. Et pas à l'autre maison, l'autre bout du monde que tu as et que j'ai pas. Je suis ton parcours. Un cross comme ça, la classe. Oui, je suis enfin un riz dans un marais. Je vois pas où est le problème. C'est toi qui as mis le trait orange, généraux. Oui. Oui. Parce qu'il est derrière moi. Mais. Moi, normalement, normalement, si tu me suis, on devrait aller au même endroit. Mais moi, j'y vais dans le marais, c'est la classe. Ah, bah oui, non, mais forcément, si tu suis pas le trait, hein, voilà. Si, je suis le trait, mais. De ma façon. Ouais, comme d'hab. Pour m'habituer à la manette. Qui va se faire. Et après. Vite fait. Et après, le mec dit dans The Coin. Mais pourquoi le trait il fait de la merde? Bah, désolé, si tu ne suis pas bien le trait, forcément. Le trait après il va faire de la merde. Je gagne des abonnés en ayant de la vitesse max. Moi aussi. J'ai vu ça, j'ai ah ouais. Par contre, on va ralentir un petit peu parce que je me prends des voitures. Moi, je me prends des arbres. Il y en a qui se prennent des voitures, d'autres des arbres. Hein. Un petit retour en vidéo en souplesse. Bah oui. C'est parce que l'autre manette que j'avais pour braquer c'était pas aussi souple que ça. Alors là, moi ça va. Ça change la vie. Hein.
Après, pour les lives, j'avais dit ouais, j'en ferai et tout. En fait, non, j'en ai pas fait. Non, parce que Oups. T'es un petit peu trop profond pour une motocross, hein. Ma connexion bouge beaucoup quand même. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais pouvoir regarder un live en 1080p, 60fps, voilà, tout. Et le jour d'après, je pourrais pas. Donc j'attends d'avoir la fibre. Et puis elle est pas loin en plus, hein. Ah non? Ah! Ah merde, il y avait un petit machin qui me disait qu'il y avait un cadeau dans le coin. Pas grave. On va quand même changer de véhicule quand même. Parce que ça craint du pâté. L'esquive! Les chocs, j'ai l'impression, c'est pas les mêmes que dans ce coup de toit. Les chocs. Non, puis en plus, je crois que t'as pas besoin de réparer la voiture non plus. Il me semble. Le mec a décidé enfin de prendre l'autoroute. Yeah. Bon là j'ai pas esquivé. Une photo. Ouais. Alors, attends. Trouver un bœuf sauvage. Elle est sérieuse cette quête? Je dois trouver un bœuf sauvage. Et moi, je me suis fait guaquer pour un mur. Ça, c'est le pire. Bah, c'est ça quand on suit pas le trait. Bah oui, hein, voilà. Il faut que j'oublie que j'étais en motocross, que maintenant, je suis en voiture. Ah, même en manteau, hein, le mur, tu vas pas passer par-dessus, hein. Moi je suis à 18 km de la maison. 17. Ligne droite. J'essaie de voir s'il y a un trajet, mais je crois qu'il n'y a pas de trajet pour moi. Hein? Voilà pourquoi je suis. Et voilà pourquoi je tourne au pif. Parce qu'en fait, le trajet il est sur la carte. Moi j'ai pas le trajet non plus d'afficher. C'est juste les flèches que t'as. Moi j'ai rien du tout. Non mais moi je l'ai sur ma carte. J'ai un petit trait orange. Sinon j'ai rien sur. Là pour l'instant j'ai rien du tout sur mon. Sur ma route. Ok, d'accord. C'est que sur la carte que je l'ai. Ça c'était beau. Passer entre les voitures, c'était pas mal. Du mal à me repérer sur la carte parce que et mais tout est très fort. Hein. C'est un peu la merde. Mantera qui confond le blanc avec du orange. Vous savez, c'est du comme dans, vous savez, c'est comme dans Titan Quest quand ils confondaient du bleu avec du vert. Mais là, je confonds pas, c'est que. C'est que je vois plein de traits orange et je sais pas lequel suivre. Bah forcément, hein, voilà, c'est ça ce qui se passe. Quand on suit pas le GPS comme il faut. Bah avoir du mal à suivre un GPS. C'est clair. Quand tous les traits sont orange. Pour ça j'ai pas de trait. Si je mets la carte, oui j'ai le trait. Mais sinon... Bon attends, on va se téléporter. Ça c'est largement mieux. Parce que sinon ça craint du pâté. Faut que je retourne en arrière. Y a un truc qui fait cling cling comme ça là. Il faut que je le trouve.
Mais... Par là, du coup. La carte qui me guac. Non, 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 mon terra. Tu ne trouveras pas ton chemin. On va te mettre et mettre plein de trajets au pif. Méchant avec moi, le jeu. Ah ouais, t'as été méchant avec lui. Voilà. Avec la motocross aussi, bah je voyais pas le trait. Bah je vois un trait orange, mais on a l'impression qu'ils l'ont mis dans tous les traits. Et maintenant il est parti. Ouais, c'est bon. Tiens, elle est belle la ville de nuit. Hein. Elle met sur la carte. Sublime tout ça. Ah, il est là-bas. Voilà. T'as les feux qu'elle a, cette Mustang. Tu peux utiliser ton radar pour les localiser. Bon, c'est bon, j'ai trouvé des nouvelles pièces. Si tu veux, tu peux venir là. Peut-être que tu auras la boîte aussi. Tu vas la voir aussi. Si tu viens sur ma position, il y a une boîte à trouver. Ah, j'essaye. Tu fais juste téléporter vers ou un truc comme ça. Oui, sauf que j'essaye de... Attends, il est juste là-bas en plus. Mais non, pas la caméra, petit. C'est un petit peu la merde aujourd'hui. On va changer de voiture. Bah, on va y arriver. Une voiture plus adaptée au terrain. Je pourrais prendre lui. Je vois mon coéquipier de face, mais une fois que je mets la carte, le jeu me dit non. Le jeu est méchant. Heureusement que c'est pas moi qui filme. ça c'est clair. Hein. Parce que ça serait un petit peu de la merde. On a tous les deux quitté le groupe. Mais je te parie. Moi, je te vois toujours. Hein. Toi, tu as quitté le groupe. Ah, toi aussi. Parce que... Voilà, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Un petit souci de connexion entre les deux, sûrement. Bref. Acura, c'est quoi ces voitures? Ah. Elle a l'air pas mal. Attends. Faut que je réinvite Nero. Elle coûte combien? Ah, elle coûte un petit peu dessous. Mais je vais la prendre, elle a l'air bien. L'Acura. DCB, c'est quoi ça? Ah. C'est un super bateau of Doom. Chrysler, Chevrolet, Dodge, Chevrolet, Camaro, l'autre Camaro, encore une Camaro, encore une Camaro. Il n'y a que des Camaros là-dedans. Allez, le jeu, sois sympa. Dis-moi où est mon coéquipier. Voilà. Un petit peu dans les forêts, mais à part ça. Corvette Stingray. La Corvette Stingray en rouge et peut-être un peu plus rapide, nouvelle édition. Édition Drag Race. Impala Sport Sedan. Oh, celle-là. Attends. Édition voilà, Touricar. Oh ouais. Et on dit merci Nero Game. Attends. Silvera 2500. Oh là là. Oh non, il spoil.
T'as pris la caisse? Moi, si je vois pas avec tous mes feux. Bon, désolé, il y a une voiture que j'achète. Donc, il m'a envoyé un QG. Alors, sur The Crew 1, les feux, ils avaient pas beaucoup à bas d'éclairage, mais alors là. On va pas dire que c'est le contraire. Non, comme ça, c'est bien. On va pas dire que c'est le cas. Et que celle-là pour l'instant. Q1 ? Mais elle était pas aussi chère que ça sur la brochure. C'est quoi cette arnaque? Le jeu veut m'arnaquer, c'est quoi ça? Hein? Le jeu m'arnaque. Bon. C'est quoi cette arnaque? Alors, j'ai eu des trucs verts. Bon, on va sortir de là. Allez, hop. On va sortir du QG pour Racing, hein, parce que les mecs là, ils sont pas foutus de me filer une voiture. La voiture, il me la propose à 80 000 et elle passe de 80 000 à 300 000. C'est quoi? Comme j'avais un peu de temps libre, j'ai réparé l'ascenseur. Et maintenant, on peut... Oh, moi j'ai une voiture de chaque. Plus de véhicules à la maison. Je sais, il n'y a pas de quoi. On peut exposer encore plus de véhicules. Dans ce coup 2, l'éclairage des feux, ils font pas semblant. On est en haut. Je te le dis. T'as un ascenseur? Il fonctionne? C'est ouf. On fait une autre mission, non? Là, avec le temps qu'elle en est, on va peut-être s'arrêter là. Ok, je vais, d'accord. Faire juste du... modding. De la custom, voilà. Livrer pièces performance. Vous. T'as pas intérêt de regarder... les phares de ta voiture en pleine nuit. Ah, c'est une enjette. Oh, l'esthétique. Ça? Ou ça? Ça? Ça va niveau... j'ai monté en performance. Moto, c'est la classe aussi. Celui-là. Les ailes. Ouais. Ouais, mais celles-là, non, elles sont nulles. Celles-là sont mieux. Celles qui sont déjà équipées. Parce qu'il y a celle-là, c'est celle-là. Officielle. Officielle et officieuse. Il n'y a pas longtemps qu'on a le jeu et elle regarde toutes les voitures que j'ai. C'est grâce au programme de récompense à mon avis. Ah oui, il faut que je le valide direct. On valide direct alors. Mais en fait, tu peux faire la couleur des étriers. Mais en fait, c'est comme dans Need for Speed, le premier là, tu pouvais tout customiser.
dans l'autre, oui, tu pouvais pas. C'est à peu près pareil. Dans le The Crown, tu pouvais pas customiser la couleur de ton frein là, qui est à l'intérieur de la roue. Hein. Ça, par contre, tu pouvais le faire dans le Need for Speed 1, l'Underground. Oui, je me rappelle, ouais. Je le sais, j'y avais joué. Surtout au 1 et au 2. Donc, en rouge, faut que ça se voit. Allez hop. Ceux-là sont mieux, mais avec ceux-là, j'y verrais peut-être plus grand-chose. Alors ça, c'est pour ceux qui ont des choses à compenser. Je tiens. Un peu comme le moi. Super gros et le rond, c'est voilà. C'est l'élan. Il y a un aileron comme ça dans Initial Day. Il y a un mec, il a une. C'est pas une RX-7, c'est une autre. C'est celle juste d'avant. Peut-être la 6. Et dedans, ils appellent ça une FD. Et en fait, le mec sur sa voiture à l'arrière, il a un putain d'aileron. Mais le machin, il est tellement gros. À quoi ça sert? Ah, si ça a une réelle utilité, je veux bien le savoir par contre. Hein. C'est clair. Si ça sert vraiment à quelque chose, genre la prise d'air ou le fait que la voiture va aller plus vite ou quelque chose. Si on veut. Le premier live stream, j'avais bien réussi parce que j'étais à plein dedans. Ben, alors deuxième, aux fraises. Aux fraises, carrément. Après plus d'un mois d'absence, on mettra et il m'a tout oublié. Allez, couleur cuir, plus proche. L'autre couleur marron, faisait pas si cuir que ça. Voilà, ça le fait encore mieux là. Parce que là ça le fait mais pas trop. Là ça le fait un peu mieux, genre t'as juste les sièges et tout. Après la manette de la Xbox One blanche là, elle est cool pour la prise en main, je te le dis. On va mettre 2. La finition. Oula. Tu vas avoir tout en carbone. Donc ça c'est chromé. Ça doit être en carbone. Et ça doit être encore un autre truc. Il va avoir des styles. Des voitures stylées, mais on reprend la classe. Je suis juste en train de m'amuser à... Non mais j'ai fait que sur la Mazda et j'ai pris genre 6 minutes pour le faire. Et du coup, j'ai pas fait ça sur les autres voitures. Mais je voulais prendre une perf à la base. On va prendre elle, t'es perf toi ou pas? Après, si ça prend trop de temps, tu peux le faire après la vidéo. Ou au début de la prochaine. Tiens, je vais customiser elle dans le début de la prochaine vidéo. Voilà. Hop. Donc si l'épisode vous a plu, vous pouvez le partager. Mettre un pouce bleu. Et activer la cloche. Tout à fait. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Des bisous les amis.